J'ai sommeil. Sur mon teint. Non. Rentrons. Le sort en était jeté. Cette fille aurait été la plus forte. Car j'en revenais une fois de plus à ma théorie. Tout se passait comme si elle n'avait agi depuis 3 semaines qu'en fonction de moi et de ma possession. Daniel, Sam, et maintenant le vase brisé, autant de jalons pour elle dans la conquête de ma précieuse personne. La forteresse de moralisme dont je me protégeais jusqu'ici s'écroulait. Puisque j'étais venu dans la maison de Rodolphe pour chercher l'agrément, pourquoi dans les 8 jours qui me restaient à y vivre, ne pas rendre le plus agréable possible mes rapports avec Haïdée? La perspective d'une liaison aussi nettement située dans l'espace et le temps comblait mes vœux secrets d'aventure absolue. Une semaine, justement, c'était la durée idéale à quoi j'aurais aimé borner mes amours occasionnels, jusque-là condamné à n'être que d'un soir ou à se perdre dans les sables. C'est Haïdée ? Haïdée ! Attends une seconde. Tu viens avec nous ? Où ? On va chez Lorenzo. À Rome ? Ben non, dans sa villa, à San Felice. Je peux pas maintenant. Prends l'adresse. Attends. Ça s'en fait. Litché. Partons. Je dis que je peux pas maintenant. Laisse-le tomber. Donne-moi l'adresse. Partons. Je peux pas partir comme ça. Au moment même où je démarrais, je n'avais d'autre intention que de dégager la route et peut-être de couper court aux atermoiements de Haïdée. Mais très vite, je compris que je ne m'arrêterais pas et que j'étais en train de prendre, pour la première fois, la décision vraie. Cette histoire est celle de mes revirements. Ma rêverie s'effaçait d'un coup pour faire place à celle dont je m'étais bercé les premiers instants de mon séjour. Ce fameux plan de vacances, voilà maintenant l'occasion de le réaliser. Le calme, la solitude, je les avais enfin à discrétion. Ils ne m'étaient pas seulement donnés. Je me les donnais moi-même par une décision où s'affirmait enfin ma liberté. Je jouissais de mon succès en attribuant à moi seul et non plus au hasard le mérite. Je me laissais envahir par le sentiment d'une indépendance délicieuse, d'une totale disposition de moi-même.